Alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas trop m'avancer sur euh, les considérations liées aux circonstances de l'affaire de, de Grayov. Euh, pourquoi Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'enquête ou les enquêtes sont en cours. Euh, mais ce que je peux dire euh, concernant cette affaire, c'est que euh, cela pose euh, véritablement la question de la circulation des armes, euh, que ce soit les armes blanches, que ce soit des armes à feu au niveau de, de notre pays. Mais euh, c'est une problématique d'insécurité qui est prise en charge euh, dans le cadre de nos actions de tous les jours, euh, à travers nos politiques de, de déploiement des unités sur le terrain, mais également à travers une stratégie euh, de, euh, proactive qui permet aujourd'hui d'anticiper sur ces questions-là. C'est vrai que quand il y a des, des, des problèmes de ce genre, on peut, euh, cela peut susciter un sentiment d'insécurité de, de la part de... Euh, au niveau de la population, mais ce que je peux dire, c'est que euh, c'est comme si euh, c'est plus un sentiment d'insécurité que de l'insécurité réelle. Pourquoi Parce que euh, les, les statistiques que nous avons au niveau de la police montrent effectivement que la sécurité au niveau de Dakar et sur l'ensemble du territoire national sont tout à fait maîtrisées par la police nationale. Et ça, c'est les statistiques qui le montrent. Mais quatre meurtres, en moins d'une semaine, euh, euh, commissaire, on est en droit de se poser des questions sur la, la surveillance de, de certains quartiers. Euh, Pikine, Yoff ce sont des quartiers quand même criminogènes. Est-ce que la police est assez présente pour au moins dissuader les malfaiteurs Oui, la police. C'est est très... le grand quartier quand même. Oui, la police est très présente aujourd'hui euh, avec l'arrivée de la nouvelle autorité policière. Euh, dès son installation, elle a euh, pris des mesures fortes et des instructions ont été données dans le sens de changer. De, de, de paradigme, dans le, change de, dans le sens de mieux se rapprocher des, des, des populations pour mieux prendre en charge les nouveaux défis sécuritaires. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les euh, considérations qui sont prises en charge euh, sont plus liées à des, à des infractions, des crimes qui sont plus domestiques, euh, passionnels. Parce, pourquoi L'exemple de Pékin euh, est, en est, en est euh, un bel exemple. Pourquoi Parce que euh, les personnes qui sont aujourd'hui... Euh, Présumés euh, impliqués dans cette affaire, c'est des proches des, des, euh, des, de la victime. Donc, ce qui montre que ces infractions parfois se déroulent dans des sphères euh, dans lesquelles la police n'a pas forcément une présence. Donc, ce qui fait que euh, ce que la police peut faire, c'est au-delà de l'aspect anticipation, c'est de faire l'effort de délucider dans les meilleurs délais. Et c'est ce que nous, nous sommes en train de faire à travers cette, cette affaire. On l'a on élucidé en, en un temps mou, plus ou moins euh, relativement court. Et les autres affaires également, par exemple l'affaire de Yumble, euh, de, de euh, le, le principal suspect également a été appréhendé et actuellement il est dans nos locaux euh, en, en position de garde à vue.